bienvenue pour le vlogmas numéro 9. On est le 9. Je vais y arriver. Je voulais absolument vous montrer ce qu'il y avait ce matin au petit déjeuner. Du maracuja aux fruits de la passion. Je vous le savais peut-être si vous me suivez depuis longtemps. J'adore ça vraiment. Donc je suis ravie. Voilà, c'est mon petit plaisir du matin. Et je vous retrouve à nouveau sur un ponton. Voilà, parce que au programme du jour, une journée un peu plus farniente que les précédentes, avec petit tour en catamaran, baignade, manger à bord, enfin voilà, que des trucs super chouettes. Et comme on est un petit peu fatigué, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Donc moi, on m'avait parlé d'un catamaran, j'avoue que je suis un peu déçue. Et au moins, on m'avait parlé de 14 minutes. Excusez-moi, je suis tous rentrés. Hein. Non, en fait, on se rend sur le catamaran en annexe, voilà. Donc en deux voyages, on y sera toutes. Donc l'accueil est déjà prêt, dans la petite cuisine, de quoi boire, manger un petit peu. Et... Pendant que l'annexe va chercher le reste de l'équipe, je vous montre un petit peu le kata avec les filets à l'avant. Du coup, je fais le tour. Coucou. Et donc on va avoir le kata rien que pour nous. Bah, je pense qu'on est pas mal là. Je vais faire l'étoile de mer comme ça. Avec un peu à manger entre temps. Petite baignade. Et retour sur le filet. Comme sur la trampoline. T'es pas sur bambi en fait. Joker. Je sens que la journée va être chouette. Bon, je vous signale que je suis pas la seule. Hein. Chacun a trouvé sa petite place. Coucou les filles. Bah, je sens qu'on va passer un bon moment. Là. Ah, ça y est, la deuxième partie arrive. On va pouvoir partir. Allez, c'est parti. C'est tellement beau. La mer est toute plate. Pour l'instant, c'est très calme. Et le ciel est beau aussi. Hein. Mais là en fait on vient juste de s'arrêter pour aller plonger au-dessus d'une épave qui n'est pas très profonde, en fait elle est à 3 mètres et du coup je vous ai pris quelques images avec la GoPro que je vous envoie là maintenant. Vraiment énormément de bien cette petite baignade. J'espère que les images vous auront plu et je pense que d'ici peu de temps on devrait peut-être alors soit manger, soit peut-être aller s'installer dans un autre coin. Il y a le choix en même temps, ville étendue, pour aller grignoter. Petite halte avant de manger pour aller prendre l'apéro sur cette toute petite île trop mignonne. Et alors avec Anki on a décidé de faire très simple. On va y aller en kayak. Voilà. Pour l'instant,
c'est Lauriane qui rame. Il n'y avait qu'une rame de toute façon. Et moi, je me prends l'eau dans la figure. Bravo. On va y aller, on va y arriver. Bah oui, hein, quitte à aller à la nage, nous on y va en kayak. Les fesses, elles sont trop grosses. Les fesses trop grosses, mais elles rentrent pas dans le kayak, mes fesses. Et les autres sont allés à la nage. Wouh. Ça va, tu gères, hein. Comme une chef. Mais je peux rien faire, moi, il n'y a qu'une rame. Et je ferai le retour. Je ferai le retour. C'est plus de chaos. C'est clair. Là, on arrive sur une petite île au milieu de nulle part. Et on passe des moments, mais je vous jure, exceptionnels. Je suis tellement heureuse d'être là. C'est une mer translucide. On le voit là. Je ferai le retour. Sauf que le retour, je suis dans le bon sens, je crois, par rapport au... Regardez, on voit quand même la terre là-bas. Allez, on arrive. Wouh. Et voilà. Ouais, bien le remonter pour pas qu'il se fasse reporter. Et voilà. La température de l'eau est parfaite. Et on est quand même genre un peu au milieu de nulle part. Hein. C'est génial. Mais quand je vous dis perdu au milieu de nulle part et une toute petite île, je sais pas si vous verrez bien, mais vraiment, en fait là on est en train de se dire on va faire le tour en quelques minutes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apéro, les pieds dans l'eau. Petit apéro, les pieds dans l'eau terminé. On a ramené le canoë à bon port. Apparemment, je l'ai accroché de manière sûre. C'était assez sympa parce qu'en fait, il y avait pas mal de courant. Donc un petit peu sportif, hein. Je suis un petit peu essoufflée. Mais alors, franchement, c'était génial. C'était vraiment trop trop bien. Et là, on va manger. Coucou les enfants, salut. C'est l'heure des calendriers de l'Avent. On part sur les sucrés. Bah, Jen, les bras n'ont toujours pas poussé. Hein. Donc, on est le 9. C'est ça, bah, le 9 il est juste ici. Le 9 est ici. Oh, pas facile à ouvrir, dis donc. Oh. Tu veux jeter ? Ah, c'est bon. Ouais, un gros Kinder. Super. Maintenant. C'est au tour de Josh. Qu'est-ce alors Josh, ils ont toujours des gros là. Chocolats. Oh, il est gros le 9. Et c'est un 9 Kinder, décidément. C'est vrai que ce calendrier, honnêtement, ouais. Il est vraiment impressionnant. Ouais, hein, il y a beaucoup de gros chocolats. C'est... Ouais. Jen, elle est petite. Hein, je me répète, mais c'est vrai. Hein, toi, tu as les œufs, tu as les chocobons. Et Josh, c'est vraiment... Tiens, je vous laisse apprécier la réserve. Parce que les enfants ont plaisir à les ouvrir, mais ils ne sont pas très, très gourmands. En tout cas, attends, je regarde. Ah, Jen, elle est un peu plus que Josh, effectivement. Ouais, Josh, c'est... C'est pas un grand gourmand. Non. Et maintenant, c'est le moment du calendrier Harry Potter. Alors là, je vais te tenir ça. Merci. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, effectivement. C'est mieux. C'est voilà. Donc la case on numéro. On avait juste avant. Oui. La numéro 9, s'il te plaît. Tu ne regardes pas. C'est Josh qui va découvrir le personnage. Et il s'agit de... Tadam ! C'est Ron ! C'est Ron !
Vernon, un des personnages principaux, un vrai pote d'Harry Potter, comme vous le savez tous, parce que je sais que vous êtes tous de grands fans. Donc Jen, elle est hyper contente. La collection continue. C'est génial. Et maintenant, il est temps de passer au calendrier de maman. Super, allez, c'est parti. On y va ? Donc, le Yankee Candle, on continue, 9. Les bonnes habitudes, la case numéro 9 est trouvée tout de suite. C'est bien 9, c'est pas le 10. Non, c'est bon, tu peux y aller, je te laisse ouvrir. Allez, tire. Passe le doigt dedans, voilà, super. Et c'est une bougie qui me semble blanche. Et qui est très dure à enlever. Et qui est très dure à enlever. On va y changer de place. Allez, je vais aider. C'est bon, papa m'a aidé, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'elle sent bon? Elle sent bon? Ça sent très bon. Elle est jolie et elle est pailletée. Verdite. Elle sent très 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 bon. Il est temps maintenant de passer au calendrier Glossy Box. Le 9, ouh. Le 9. Elle est hyper... Hop là, ça fait tomber la boîte numéro 15. Qu'y a-t-il dans la boîte juste là. Numéro 9. Je le découvre avec vous, hein. C'est ça qui est chouette. Hein. On est vraiment... Il est trop dans le paquet. Sortez les petits papiers. Ah, ça y est. Ah, c'est bon. C'est de la marque Steve Laurent, je crois. Oui, c'est ça. Steve ou Steve Laurent, oui. C'est un lip gloss. Un lip gloss, super. Bon, bah, une fois de plus, hein, je suis navré. Je pense que ça parlera plus à maman qu'à nous. Oui. Peut-être sur ce... À moi, peut-être. À moi, les lip gloss. Oui, ouais, toi, t'aimes ça, je sais. Et on te fait de gros bisous, chérie, à toi. Tu le montres trop. Spécialement. On te les envoie loin. Énormément. Ouais, profites-en un maximum et ramène-nous plein de beaux souvenirs et de belles images. Oui, et baigne-toi bien. Ouais, parce que nous, franchement, on aimerait bien aussi. Hein. On adore l'eau avec Jen, tu le sais. On pense à toi très fort. Allez, on t'embrasse, on te fait de gros bisous et on te dit à très bientôt. Ciao. Salut, chérie. Après la petite séance de snorkeling, petit tour près de la mangrove. Ce que vous entendez, c'est quelqu'un qui joue au paintball. Et maintenant, direction le port, enfin le ponton pour le retour à l'hôtel. Le paysage est juste trop joli. Et au passage, j'en profite pour vous présenter Florence en pleine action. Je vous mettrai le lien de son blog et de son compte Instagram en barre d'infos. Et vous allez vous régaler parce que vu les photos qu'elle prend, je peux vous dire que vous allez en prendre plein les yeux en fait. Voilà. Petite sortie en mer terminée. Comme tous les soirs, je vais aller me doucher, me préparer pour aller manger avec le reste du groupe et faire ensuite le montage du vlog du jour. Donc je vous mets dans l'encadré le cadeau du jour et j'espère que ce vlogmas vous aura plu. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao.